Fais ça et le
Voilà, on est toujours dans la série Je bâtirai mon église, 9e partie ce matin. Amen. Je vais vous répéter les pensées que je répète tous les dimanches parce qu'elles sont importantes. J'espère que maintenant elles sont gravées dans nos cœurs. Le diable se fiche de savoir si vous allez à l'église. Il ne veut pas que vous soyez l'église. Amen. Et la deuxième pensée, tu peux venir à l'église toute ta vie. Tu peux prier, jeûner, étudier la Bible et même chasser les démons. Si tu n'es pas l'Église, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit ça. À la fin des temps, il y a des gens qui vont dire, Seigneur, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a fait plein de choses en ton nom. Et le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Faire des choses au nom de Jésus et appartenir à l'Église, c'est deux choses différentes. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il faut d'abord appartenir à l'Église. Et après, il faut accomplir les œuvres au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais vous emmener plus loin et on va explorer quatre domaines spécifiques de la foi ou quatre dimensions de la foi. Ces quatre dimensions, quatre domaines de la foi qui sont vraiment, vraiment très importants. Et en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur. On va faire une grande lecture ce matin dans l'évangile de Marc. Chapitre 2, et on va lire les 12 premiers versets. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. « Je te l'ordonne, » dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis-la, oins-la ce matin, oins ton serviteur, oins ton église, Seigneur, ouvre nos cœurs, rends-nous sensibles, et que ta parole puisse accomplir son effet dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Pour être honnête avec vous, j'ai découvert très récemment ces quatre domaines spécifiques de la foi, ou ces quatre dimensions, et c'est pour ça que j'étais impatient de les partager avec vous. Ça a eu vraiment un impact dans mon cœur, et j'étais vraiment impatient de partager avec vous ces quatre dimensions de la foi. Amen. Il y a une particularité à ce récit, c'est que, apparemment, j'ai bien dit apparemment, ce n'est pas la foi du malade qui est entrée en action. C'est la foi des quatre amis de ce malade. La Bible ne parle pas du malade, que ce malade avait la foi. Jésus, la Bible dit au verset 5, on a vu ça, Jésus voyant leur foi, la foi des quatre hommes. Jésus voyant leur foi. La Bible ne nous dit pas si cet homme, ce malade, avait la foi, mais elle nous dit que Jésus a vu la foi des quatre amis. Et c'est très important, et ça nous emmène déjà pour commencer, c'est pas encore une dimension de la foi, une de ces quatre dimensions qu'on va voir, mais ça nous amène à un point important que je voulais partager aussi avec vous ce matin. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, on a déjà parlé de la foi, et on a partagé quelques exemples de la Bible où des gens ont été guéris personnellement à cause de leur foi. Ils ont prié pour eux-mêmes,
Ils ont mis leur foi en action pour un miracle personnel. Et merci Seigneur, parce que ça aussi c'est la foi. La foi, c'est pour chacun de nous. Mais il y a aussi ce matin, dans ce récit, la Bible nous parle d'avoir la foi pour quelqu'un d'autre. Et c'est aussi tellement important. Vous savez, être un enfant de Dieu, ça n'est pas être égoïste. Ça n'est pas ne penser qu'à soi. C'est aussi penser à nos frères et sœurs et à ceux qui nous entourent, à tous ceux qui sont autour de nous. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il n'était pas concerné par lui-même. La seule chose qui le concernait personnellement, c'est qu'il devait aller jusqu'à la croix. Sinon, il a passé son temps et il a pris soin que des autres. Que des autres. Ces quatre hommes avaient certainement aussi des besoins à présenter au Seigneur Jésus. Vous savez, ce qui se passait en réalité, il faut savoir lire entre les lignes quand on lit la Bible. Chaque fois que Jésus arrivait quelque part, il y a une foule qui s'assemblait. Et qu'est-ce qu'elle voulait cette foule? Rien d'autre que recevoir. Rien d'autre. Tout ce que la Bible nous raconte dans les évangiles, c'est que chaque fois cette foule venait parce qu'elle avait besoin de recevoir quelque chose de Jésus. Il fallait que Jésus donne, tout le temps. Amen. Gloire au Seigneur. Et certainement que ces quatre hommes avaient eux aussi des problèmes et des besoins qu'ils auraient pu donner au Seigneur. Venir comme toute cette foule dans la présence du Seigneur. Seigneur, je suis moi aussi, j'ai besoin que tu me touches. Moi aussi, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Et ce jour-là, particulièrement, ils ont mis leurs besoins de côté. Parce qu'ils avaient un ami qui, plus que eux, avait besoin de Jésus. Leur ami, c'était un paralytique. C'était quelqu'un qui était couché sur un lit du matin jusqu'au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Il était couché sur un lit et il ne pouvait rien faire. C'était leur ami, alors qu'eux pouvaient faire tout ce qu'ils avaient envie de faire. Et dans leur cœur, il y avait ce qu'on appelle la compassion pour leur ami. Et ils se sont dit, tu sais quoi, nous on a des besoins, certainement qu'on pourrait les donner à Jésus. On pourrait aller voir Jésus, laisser là notre ami, et Jésus va répondre à nos besoins. Mais lui, il a plus besoin que nous. Alors, ils se sont concertés ensemble. Et ils ont dit, voilà ce qu'on va faire. On va prendre notre ami, et on va aller le porter à Jésus. Et ça sera la plus belle récompense. C'est la plus belle chose que le Seigneur Jésus pourra faire pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La vie de leur ami était tellement déprimante. Je ne sais pas si on réalise ça. Cet homme, il devait avoir aucun moral. Il était couché sur son lit, paralytique, et il savait que rien ne pouvait changer. Très probablement, cet homme attendait avec impatience la mort. Parce que sa vie ne valait pas la peine. En plus, certainement, il devait souffrir. Il était dépendant pour tout de quelqu'un. Il ne pouvait rien faire seul. C'est pas vraiment une vie. Je ne sais pas si on imagine ça. C'est pas vraiment une vie. Et c'était la vie de cet homme. Amen. Pourquoi leur ami devrait-il passer sa vie allongé sur un lit alors qu'eux pouvaient aller et venir comme ils voulaient? Et en plus, c'est important, en plus, ce Jésus, celui qui fait des miracles partout où il va, est de passage dans leur ville. Et ça, c'est un déclencheur. Ils ont entendu parler de Jésus partout où Jésus passait en Israël. Mais voilà que ce Jésus qui fait des miracles partout où il va, il est là maintenant dans leur ville. Donc ils ont une opportunité qu'ils ne doivent surtout pas louper. Amen. J'ai noté ceci, Jésus veut récompenser ta foi. Mais il veut aussi que tu t'impliques pour ceux qui t'entourent. Il veut que l'Église cesse d'être égoïste, ouvre ses yeux et regarde autour d'elle tous ces gens qui ont besoin de Jésus et pour qui nous devons mettre notre foi en action. Et je crois de tout mon cœur qu'il est temps que nous arrêtions en tant qu'enfants de Dieu d'être des égoïstes et de toujours dire « Seigneur, moi j'ai besoin, moi j'ai besoin, moi j'ai besoin, moi j'ai besoin ». Il est temps qu'on arrête de dire « Seigneur, moi j'ai besoin, Seigneur ouvre mes yeux, fais-moi voir si quelqu'un a besoin et je vais l'amener dans ta présence et tu vas le guérir. »
Quand je parle de guérir, je parle de la guérison du cœur, et je parle de la guérison du corps, et je parle de la guérison du l'âme, de l'âme. Et c'est très important. Et c'est ce que ces hommes ont fait. Ils ont mis de côté leurs besoins personnels. Ils ont pris leur ami et ils l'ont amené dans la présence de Jésus. Et ce qui s'est passé, c'était la plus belle chose qui pouvait leur arriver. Leur ami a été guéri. Non seulement le Seigneur a pardonné ses péchés, mais en plus il a guéri son corps. Amen. Gloire au Seigneur. On va revenir au texte maintenant. Chacun des hommes représente une dimension de foi. Le premier homme, c'est un symbole. Hein. Ce n'est pas ce qu'il y avait dans le cœur, mais chaque homme représente, est typique de ça. Le premier homme, la dimension de croire. Le deuxième homme, la dimension de l'action. Le troisième homme représente la dimension de la persévérance. Et le quatrième homme représente la dimension de l'audace. Et nous allons voir ça un peu plus en détail ce matin. Le premier homme, la dimension du croire. La dimension de croire. Nous pouvons imaginer ce premier ami, ce premier homme, lorsqu'il apprit que Jésus guérissait les paralytiques, crut dans son cœur que son ami paralysé pourrait lui aussi être guéri. Tout à l'heure, on priait pour que le Seigneur brise les chaînes. Et c'est tellement facile de croire que le Seigneur va briser les chaînes pour les autres, mais c'est moins facile parfois de mettre ça en application pour nous. Cet homme, mais voulait mettre ça en application pour lui indirectement, pour son ami. Mais ça faisait partie de lui. Il croyait de tout son cœur que son ami pourrait lui aussi être guéri. C'est la première étape vers le miracle. Maintenant, ce matin, je voudrais qu'on puisse bien élargir notre esprit. Souvent, quand on parle de miracle, nous associons le mot miracle à corps. Notre corps. Maintenant, quand la Bible dit que Jésus est le Dieu des miracles, c'est vrai qu'il guérit nos corps, mais il guérit nos cœurs, il guérit nos âmes, il guérit tout ce que nous sommes. Donc il faut associer à ce corps notre âme et notre esprit et notre cœur. Et c'est la première étape vers le miracle, quel que soit le besoin dont nous avons besoin. La première étape, c'est croire. La foi commence à naître dans notre cœur chaque fois que nous entendons parler de ce Jésus extraordinaire qui fait des miracles. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons, Jésus est la solution. Amen. Amen. La foi commence par le fait de croire dans son cœur. Amen. Philippe a dit à l'eunuque, si tu crois de tout ton cœur, c'est dans un autre contexte, mais la pensée est la même. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. En fait, l'eunuque voulait naître de nouveau. Hein. Philippe était en train de lui expliquer le baptême, la nouvelle naissance. Tu vas mourir à ta vieille nature, à ton vieil homme, et tu vas naître de nouveau. Il parlait du baptême d'eau, au nom de Jésus. Et l'eunuque, il voit de l'eau, et il dit, est-ce que je peux être baptisé maintenant? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. Dans Marc chapitre 11, verset 24, c'est pourquoi, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Woo! Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la foi et c'est la première dimension de croire. Croyez que vous l'avez reçu. Si tu crois de tout ton cœur, crois-tu aujourd'hui que Jésus peut transformer tes larmes en joie? Crois-tu qu'il a la puissance de t'accorder ce miracle dont tu as besoin? Amen. Est-ce que nous croyons ça, Église, ce matin? Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est important d'y croire, parce que c'est ce que le Seigneur veut faire. Amen. Le deuxième homme,
Nous entrons dans la dimension de l'action. La première dimension, c'est croire. La deuxième dimension, pour la foi, c'est l'action. Le premier homme a dit, voilà, Jésus passe et nous croyons de tout notre cœur que Jésus qui guérit les hommes est capable de guérir notre ami paralytique. Mais s'ils étaient contentés de croire, leur pauvre ami paralytique serait resté paralytique. Il fallait passer à l'action. Amen. Certainement que le second ami, il a dit, ok, nous n'allons pas simplement croire que Jésus peut le guérir, mais nous allons passer à l'action. Nous allons apporter notre ami au pied de Jésus pour qu'il le touche et notre ami sera guéri. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité. C'est certainement ce qu'il y avait dans le cœur de ce deuxième homme. Il faut passer à l'action, sinon il ne va rien se passer. Amen. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient que Jésus guérit. Mais beaucoup moins de chrétiens décident de passer à l'action. Alors je vais faire très attention à ce que je vais dire maintenant. Parce que je ne veux pas vous choquer, je ne veux pas vous blesser, je ne veux pas que vous pensiez que je crois des choses qui ne sont pas. Je vais vous donner la pensée et je vais vous expliquer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient que Jésus guérit, mais bien moins de chrétiens décident de passer à l'action en faisant appel à Jésus pour être guéri. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devrait faire les choses dans le bon ordre. D'abord, aller voir Jésus. C'est ce que ces hommes ont fait. Je ne sais pas si ce paralytique avait vu beaucoup de médecins. La Bible ne nous dit pas. Mais ces hommes sont venus, leur ami était paralytique, leur ami avait besoin de Jésus. Et ils ont porté leur ami dans la présence de Jésus parce qu'ils savaient que Jésus guérit. Et tellement souvent, Église, tellement souvent. Et vous savez, c'est valable dans ma vie. Hein. Quand je fais confiance aux médecins, merci Seigneur parce qu'ils font certaines choses pour moi, parce que le Seigneur a donné la sagesse et l'intelligence et la science. Mais il y a un moment où cette science et cette intelligence est limitée. Amen. Et quand je fais confiance au Seigneur, quand je dis Seigneur, c'est toi que je viens voir, alors le Seigneur fait les choses bien comme il faut, du premier coup et jusqu'au bout. Amen. Et je n'ai pas besoin de retourner une deuxième fois ou de faire des traitements successifs. Amen. Amen. La deuxième dimension de la foi, c'est croire. C'est, pardon, passer à l'action. Maintenant, je ne vous dis pas que si vous n'avez pas la foi, vous n'avez surtout pas aller voir un médecin. Si vous êtes malade et vous ne croyez pas que Jésus peut vous guérir, allez voir un médecin. Dieu leur a donné la sagesse et la science. Mais si vous croyez que le Dieu que vous servez, celui qui vit dans votre cœur, est le grand médecin et qu'il est capable de vous guérir, alors avant d'aller voir les médecins, allez voir le grand médecin et dites lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes, que tu touches mon cœur, que tu touches mon corps, que tu touches mon âme et que tu me guérisses. Et vous savez quoi? Il va le faire. Parce qu'il a promis. Wouh! Alléluia! Il va le faire. La foi n'est pas simplement la dimension de croire en son cœur. La foi, c'est aussi passer à l'action. Nous devons poser un acte de foi et aller à la rencontre de Jésus avec foi dans la prière. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. De quoi? De celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, Église. Amen. La foi, c'est croire fermement. Mais c'est aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ces quatre hommes ont porté ce paralytique sur plusieurs kilomètres parce qu'ils savaient que Jésus allait le guérir. Amen. On va voir ça peut-être au stade où on est de la prédication. Vous avez des doutes, oui, mais peut-être qu'ils ne croyaient pas vraiment, peut-être qu'ils sont allés dans l'espoir que non. Vous allez voir dans la suite du texte que ces hommes n'ont pas fait ça pour rien. Ils savaient que Jésus allait guérir leur ami. Ils ont cru et ensuite ils sont passés à l'action. Et je crois, Église, de tout mon cœur,
que si nous arrivons à entrer dans cette dimension de la foi, de passer à l'action, croire que Jésus guérit, que Jésus sauve, que toutes les promesses de Jésus, elles vont s'accomplir. Alors je crois que ces promesses, justement, que Jésus nous a données. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je crois que si nous entrons dans cette dimension de la foi, de passer à l'action, alors nous allons voir ces promesses de Jésus vraiment se réaliser toutes les unes après les autres et tout le temps. Pour l'instant, nous sommes en train de pleurer pour avoir un miracle de temps en temps. Mais la volonté de Jésus, c'est que tout ce qui se passe, à chaque fois qu'on a un besoin, le Seigneur puisse répondre toujours et toujours et toujours et toujours. Une suite ininterrompue de bénédictions et de miracles, ça c'est la volonté du Seigneur. Mais il faut que notre foi soit une foi agissante. Pas seulement croire. Il faut passer à l'action. Amen. Le troisième homme nous amène dans la dimension de la persévérance. La persévérance, toujours dans ce récit. Le troisième homme, c'est celui qui va persévérer quand les obstacles viennent se mettre en travers de ta foi en action. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. C'est bien de croire que Jésus guérit. C'est bien de dire, ah, mais je vais... On y va, allez, on se lève, on y va. Et si tu crois que ça va se passer comme ça, tout seul, alors tu rêves. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un ennemi commun. Et lui, il ne veut pas que tu arrives au pied de Jésus. Il ne veut pas que Jésus te dise, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il ne veut pas que Jésus te dise, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça, il ne veut pas. Alors s'il voit que tu crois dans ton cœur et que tu mets ta foi en action, alors bang, il va mettre des choses devant toi. On appelle ça des obstacles ou des barrières ou des murailles ou tout ce que tu veux. Alors à ce moment-là, il y a ce troisième homme qui entre en action. C'est la dimension de la persévérance. La persévérance. Jésus a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Cette parole se rapporte au salut. Mais elle est valable dans tous les domaines de la vie. Même dans les domaines matériels. Il n'y a rien qui s'obtient sans persévérance. Et en particulier dans le domaine de la foi. Les trois amis ont cru, ils ont agi en allant vers Jésus. Mais voilà l'obstacle. Une foule nombreuse. Parce que la Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, hein, quand ils sont arrivés à cette maison où Jésus était à l'intérieur, dehors il y avait une foule nombreuse, certainement des milliers de personnes. Comme chaque fois que Jésus était quelque part. Et là, ils arrivent, vous savez, ils croyaient dans leur cœur. Ils ont pris leur ami paralytique, allez, chacun d'un côté. Et on y va, on y va, on y va, on va voir Jésus. Et puis on arrive à... Oh. Mais comment on va faire? Impossible de toucher Jésus. Impossible. Vous savez, s'il y avait juste une personne, comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, juste une personne. Peut-être que cette femme, elle n'était même pas, peut-être elle était comme sur Linda, un petit peu petite, là, et puis, voilà. Et une seule, ben, on arrive toujours à bousculer un peu les gens, on pousse fort, parce que cette foule, elle était tassée auprès de Jésus, hein. Une personne, on peut pousser un peu, puis on arrive à se faufiler, et puis parfois même on s'allonge dans le sol, et puis on commence à ramper, comme les militaires. Mais là, quatre hommes qui portent un brancard, et sur ce brancard, il y a un paralytique. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens qui, eux, étaient venus pour être guéris, ils ont dit, ouais, mais vas-y, vas-y, je vous en prie, mon Seigneur, nous, on verra plus tard. Hein? Faut pas rêver, hein. Non, non, moi d'abord. Moi d'abord, c'est ce qu'Alexander, il dit toujours. Moi d'abord. Quand j'aurai été guéri, alors vous pourrez aller voir Jésus, s'il est encore là. La dimension de la persévérance.
Ils auraient pu se décourager. Mais nous pouvons imaginer ce troisième homme, donc celui qui a ce désir dans son cœur. Écoutez les gars, le miracle, on l'a à portée de la main. On ne va pas abandonner maintenant et faire marche arrière. Après tous les efforts qu'on a faits, nous devons persévérer et ne pas abandonner. C'est la troisième dimension de la foi. Elle n'abandonne jamais. Elle ne considère pas les obstacles, mais elle reste les yeux fixés sur Jésus, qui est celui qui fait les miracles. Amen. Gloire au Seigneur. Combien de fois nous sommes-nous tournés en direction de Jésus, mais n'avons-nous pas persévéré dans la foi? Avons-nous douté et avons-nous fini par abandonner en voyant les obstacles se dresser sur la route? Nous croyons que Jésus guérit. Nous passons à l'action. Allez, on va aller voir Jésus et le Seigneur va nous guérir. Et puis, boum, il y a une foule qui est là. Je ne sais pas quelle est cette foule qui est sur votre chemin. Mais il y a un obstacle là, qui est tellement grand, infranchissable, semble-t-il. Et puis, on dit, bon, ben, peut-être que ce n'est pas mon jour. Peut-être que ce n'était pas la volonté du Seigneur que je sois guéri aujourd'hui. Et puis on baisse la tête, et puis on repart à la maison, et on dit au Seigneur, une autre fois. La persévérance, Église, la persévérance, la foi qui n'est pas persévérante n'est pas la foi. La persévérance fait partie de la foi. Il faut croire, il faut passer à l'action, et il faut persévérer. Amen. Hébreux 6, 12 dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez, on parle de la foi, hein, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. C'est seulement si tu entres aussi dans ce domaine de la persévérance que tu vas voir ta foi bénie et récompensée. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Quelqu'un donne la gloire au Seigneur ce matin. Si tu persévères, alors tu vas voir ta foi récompensée. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La foi et la persévérance ne devraient jamais être un plan B. Mais notre premier choix. J'ai choisi de croire, j'ai choisi de passer à l'action, alors je choisis de persévérer. Je ne vais pas abandonner et puis attendre qu'il y ait une autre opportunité qui se présente, parce que peut-être il n'y aura jamais une autre opportunité. Amen. Gloire au Seigneur. La quatrième dimension, la dernière, c'est la dimension de l'audace. L'audace. Hallelujah. L'audace, c'est la dimension de la foi qui va faire que plus rien n'est impossible. Église, l'audace, c'est la dimension de la foi qui va faire que plus rien n'est impossible. Vous savez, tous ces moments dans notre vie où on a des chaînes, où on est lié, il y a des choses qu'on voudrait et qu'on n'arrive pas, des choses qu'il faudrait faire et on ne peut pas les faire. Et on dit, oui, mais j'arrive pas, oui, mais je ne sais pas, oui, mais c'est plus fort que moi. L'audace, cette dimension de la foi qui fait que là où tu as échoué jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'est le bon jour. Et tellement souvent, nous sommes des chrétiens malheureux, nous sommes des chrétiens désabusés, nous sommes des chrétiens tristes parce qu'on a franchi une étape, on a franchi une autre étape, on a franchi une troisième étape et puis à la dernière étape, on abandonne. Bon, c'est le moment de l'audace où là, voilà, c'est la dernière étape et ta guérison est là, ton besoin va être résolu, ton problème, le Seigneur va en prendre soin. À cette dernière étape, malheureusement, on abandonne. La dimension de l'audace. L'audace, la dimension de la foi qui se moque, je pèse mes mots, de ce que les autres pensent et des conséquences. C'est celui qui dit, nous avons cru, nous avons agi, nous avons persévéré,
Mais maintenant, nous ne pouvons plus nous arrêter là. Nous allons faire preuve d'audace. Nous allons passer par le toit. C'est ce que ces quatre amis ont fait. Tant pis si le propriétaire de la maison porte plainte, nous allons démonter son toit parce que Jésus est dans la maison et on doit arriver au pied de Jésus. Maintenant, n'allez certainement pas dans une maison où vous pensez que quelqu'un va vous guérir au nom de Jésus et démonter la maison de quelqu'un parce que là, il va porter plainte. C'est symbolique cette histoire. Et à cette époque, on pouvait faire ça. Amen. La foi n'est pas politiquement correcte. La foi va à l'encontre des choses correctes. Des choses normales. La foi audacieuse. On parle de l'audace, dit ce matin. La foi audacieuse dérangera les religieux et les conservateurs. On parle dans l'église ce matin. Je ne parle pas des gens extérieurs à l'église. Je parle de gens d'église. La foi audacieuse. Si tu mets dans ton cœur une foi audacieuse et tu dis, ben, j'ai pas réussi, il n'y a plus moyen, alors maintenant la seule possibilité c'est de faire un trou dans le toit et tu dis, je vais faire un trou dans le toit, alors tu vas déranger tous les conservateurs religieux. La foi audacieuse va déranger les conservateurs, elle va déranger les gens religieux. Mais c'est cette foi-là qui va te permettre d'être guéri. C'est cette foi-là qui va te permettre d'obtenir les promesses du Seigneur Jésus dans ta vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Église? Ils ont descendu leur ami, là, par le toit. Ils ont fait un grand trou dans le toit. Ils ont descendu leur ami au pied de Jésus. Et la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, il a dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Je vous passe les commentaires des hommes religieux. Et Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Ça, c'est la foi audacieuse. C'est la foi qui doit nous appartenir. C'est la foi que Jésus aime. C'est la foi qui va faire que nous allons obtenir les promesses qui nous appartiennent. Alléluia. Alléluia. Ce que nous affirmons avec assurance, c'est ce que nous obtiendrons. Dimanche dernier, on s'est étendu un peu sur le fait que la foi, c'est de d'abord chercher la volonté de Dieu. Et quand tu es sûr que tu es dans la volonté de Dieu, alors tu dois affirmer, tu dois proclamer, tu dois mettre ta foi en action, tu dois persévérer, et tu dois faire un trou dans le plafond. Tu dois être audacieux. Et je vais terminer avec ça. L'église de Jésus-Christ est une église qui vit, tu peux mettre la musique pour moi s'il te plaît, une église qui vit et qui marche par la foi.